Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez à l'écran, je suis sur la map bagagiste et comme vous l'avez vu dans le titre, oui, il y a une nouvelle façon d'XP très très rapidement. Encore une fois avec l'activité bagagiste, donc je vais pas vous expliquer comment on la lance, vous le savez, hein, je pense que vous avez déjà dû tous faire cette activité. Contrairement à l'autre, il est très très difficile d'arriver à XP rapidement, c'est très très dur. Moi et Yad, on a vraiment galéré, galéré, mais un point phénoménal. Vous allez très très vite comprendre à quel point c'est difficile, et quand vous le testerez, vous, ça m'étonne que vous allez y arriver du premier coup. Yad, change un peu d'équipe, s'il te plaît, parce que là, bof quoi. Donc il y a le Père Noël qui est dans mon équipe. Change d'équipe, Yad. Merci. Donc, comme je vous l'ai dit, donc ça change pas. Donc vous prenez l'hélicoptère, vous allez récupérer la mallette et vous allez vous replacer juste au-dessus du cercle. Mais la différence, c'est qu'il faut être très 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 bas sans toucher le sol, sinon la manipulation ne marche pas et ça dépose la mallette. Ou alors ça va déposer la mallette, mais de façon, ça va la déposer 10 fois d'affilée, mais après ça va se stopper. Donc pour faire en illimité, faut vraiment se stabiliser très 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 bas, et après vous allez pouvoir XP très très rapidement. Donc comme je vous l'ai dit, c'est très très difficile. Donc j'arrête pas de répéter très très depuis tout à l'heure, mais bon, je peux vraiment pas faire mieux. Donc je vais prendre l'hélico-terre rouge juste après, si Yann me le prend pas, bien sûr. Bah si, il va le prendre, on s'en fout. Donc du coup ça fera l'hélicoptère du Père Noël. Donc moi je me déplace directement avec la petite voiture là, appel de phare. Et bah voilà, donc je vais vous dire, comme je vous l'ai dit, hein, c'est très dur de réussir cette nouvelle manipulation. Donc maintenant je vais aller chercher un hélicoptère. Donc vous faites exactement comme vous le faisiez avant, c'est-à-dire que vous allez récupérer une mallette et après vous prenez un hélicoptère. Yed va exactement faire la même chose que moi, sachant que de mon côté à moi c'est beaucoup beaucoup plus facile, alors que du côté à Yed c'est plus difficile. Moi j'y suis arrivé des deux côtés. Yed a réussi que de mon côté, donc c'est-à-dire du côté où je vais aller moi, mais de l'autre côté c'est très dur parce qu'il y a les caisses et du coup c'est difficile de se stabiliser très très bas. Donc voilà, donc vous prenez votre hélicoptère tranquille et tout, et là vous allez vous stabiliser juste au-dessus de la plateforme. Ouh là là, Virtuose apprend à conduire un hélicoptère. Du coup vous allez vous placer juste à côté, bah juste au-dessus, mais très 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 bas. Faites en sorte que ce soit que l'aile arrière. Voilà, donc vous voyez, du coup vous voyez bien que j'ai XP d'un seul coup là. La mallette s'est posée juste après, donc parce que j'ai touché le sol et je me suis pas stabilisé très très bas. Mais comme vous allez faire exactement la même chose. Vous allez vous stabiliser très très bas en essayant de ne pas toucher, en essayant de laisser que la partie arrière de l'hélicoptère au-dessus de la plateforme. Et voilà, donc du coup après vous allez XP très très rapidement. Et après bah si jamais vous posez la mallette, ça va vous faire comme moi, donc vous allez récupérer 10 fois le nombre de fois que vous allez poser la mallette, et après ça va poser la mallette définitivement. Donc voilà, je vous ai dit, c'est très dur, il y a moyen de le faire, donc vous venez de le voir à l'écran, je l'ai réalisé moi-même. Faites-le rapidement avant que ce soit patché, et bah voilà, j'espère que vous allez en profiter assez rapidement. Et bah voilà, n'hésitez pas à lâcher un gros gros pouce vert, un petit commentaire et un petit partage. Je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye tout le monde.